Bienvenue sur la chaîne de Geek MPS. Je vous rappelle qu'avant d'être une chaîne YouTube, c'est un blog et donc tout se passe sur le blog. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet ultra sérieux, le coton-tige. Le coton-tige va disparaître. Enfin, c'est ce qu'on nous annonce parce que c'est ultra polluant, parce qu'on en retrouve dans plein d'oiseaux morts, etc. Donc c'est vraiment un problème. Le vrai problème, c'est que les gens ne les jettent pas dans la poubelle et les jettent partout. Donc il faut trouver les remplaçants. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là. Et je l'ai acheté. Je l'ai acheté pour tester. Je me suis dit, bon alors c'est génial, ça ressemble à quoi? À un forêt. On se trouvait l'oreille. C'est souple en silicone. Et la question que je me suis posée, est-ce que ça fonctionne? Eh bien, on va tester. Ça fait 10 jours que je me lave pas les oreilles pour voir si ça fonctionne. Donc je tourne. C'est pas désagréable. Il se passe rien. Voilà. Ah, il est resté coincé dans mon oreille. Donc vous voyez, c'est un peu de la merde. Et je sais pas si vous le voyez, eh bien il n'y a rien parce que j'ai les oreilles propres sur moi. Donc ça, clairement, ça fonctionne pas. Je l'ai testé sur mes enfants. Tout le monde l'a testé à la maison. Voilà, parce que ça arrive avec plein d'embouts. Ça ne fonctionne pas. Donc la vraie solution, c'est cette petite chose en bambou. Ça fonctionne. Et il en faut un par personne, c'est lavable, ça se réutilise. Ça, c'est la vraie chose. Donc, adulte coton-tige, vive le truc en bambou qui se réutilise. Vous trouverez ça dans toutes les boutiques bio. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui ne sert à rien. Et vous pouvez lâcher un pouce bleu si vous avez bien aimé.